Bang, bang, bang. Au Kevin Day. Et on a 800 balles de shopping chez Snipes. Chez Snipes. Snipes. Moi, je vais prendre du boost. Adidas, c'est meilleur que Nike. Là, aujourd'hui, tu vas me prouver ça, frère. On va essayer, ça va être carré. Et bah, la vérité, moi, je vais prendre que du Calcani. C'est sûr. Tu vas prendre, toi. Ah, t'inquiète. Ouais. Vous verrez. Déjà, il va prendre que des paires noires. Que des paires noires. Non, là, je vais prendre un petit polo Calcani, je pense. On a vu des lourds, oh. Et ils sont pas noirs, frère. Tu as acheté quoi, toi? Bro, je sais pas. Il y a une petite paire de Vans qui me fait de l'œil. Et en plus, il y a une soirée qui se prépare ce soir, tu vois. C'est une soirée, donc faut que je sois qui toco. C'est qui filme? C'est Pierre Wallman. Pierre Wallman est dans le building. Bye. Leonardo DiCaprio oscarisé. Beau gosse. Titanic. Ouais. Et on n'est pas tout seul. You Mané, bye. Myriam Mané. Salut. Et on va tous faire du shopping. Bisso Mané. On est là. Merci Snipers pour l'invite Méné. Let's do this. Bye. Snipes Méné, c'est une chaîne de magasins sneakers qui fête ses 20 ans cette année. En plus de vendre beaucoup de baskets GR et des colorways exclusifs Snipes, ils font des collections capsules avec des rappeurs. Ils ont fait une collab avec le Wu-Tang Mané. VVS on my pinky. Gucci Fanny, fuck a pocket. Chris Brown. Plugged in like a socket. Career shooting like a rocket. They refresh till I drop it. Snoop. Niggas be talking, they ain't about that axe. Bet when they see me, ain't nothing gonna happen. Six bitches. C'est quand même doux, hein? Ils nous ont envoyé un mail, ils nous ont dit: hey Camino, on aime bien ce que vous faites, venez. Du coup, on est parti en voiture, on a ridé. That's disrespectful, they know I got more. Niggas be talking, they ain't about that axe. Je sais pas si vous rappelez, Benet. Mon DJ déjà allé chez Snipes à Genève. Snipes à Genève. Je veux pas prononcer une fois un mot en anglais comme il faut, mon frère. Vas-y, tu prononces comment? Snipes. Ah, mais toi aussi, ah, tu parles. Ah, tu parles bien anglais aujourd'hui. Snipes. Là, moi, je dis Snipes, on va chez Snipes. Snipes. Ou comment t'as dit ça, l'autre? Snipes. Non, c'est pas ce que t'as dit. Voilà. On est arrivé là-bas à l'hôtel, c'était lourd. On était avec l'équipe Only One, Bisso, Viewmore, Myriam Manhattan, Bouscapé et plein d'autres. C'était lourd. Méné, on vient d'arriver à l'hôtel. Là, j'ai mon petit passe pour ma chambre. Je donne pas le numéro de ma chambre parce que je sais très bien comment ça va finir. Puis ouais, la nuit, mon frère, c'est une catastrophe. Ma nègre, elle, c'est doux. C'est doux. Bienvenue. Eh, c'est sûr que je vais pas donner ma chambre à Pio, sinon c'est mort, mon frère. Eh bien, on regarde un petit peu ce qu'il y a, mon frère. Oh, eh, la salle de bain, c'est un bail, gros. C'est un bail, mon frère. Ah ouais, moi ouais, j'étais pas dans un truc, mon frère. Gros, c'est lourd de fou. Je dis à Francis, oublie pas ta carte, frère, ça serait dommage. La tête de Wam, il sort, il oublie sa carte, frère, en live. Mais non, Francis, frère. Tu vas déjà pouvoir aller à l'accueil. On a été invité au défilé de leur nouvelle collection, donc qui est en featuring avec Michael Moore, et les nouvelles pièces Calcani. De toute façon, vous allez voir les pièces dans le shopping. Faites péter les likes, Méné. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Bruit de movement. Merci, Méné. Je vous laisse avec le shopping. On est arrivé chez Snipes, il y a des paires très très lourdes, le shop est cool. C'est sur deux étages, moi je pense que je vais craquer aujourd'hui, je vais me prendre une petite paire de Nike. Je sais pas ce que vous en pensez. Attends, ce qu'il dit, frère. Il a dit quoi? Il a dit qu'il va prendre une paire de Nike. Mais il ment, frère. Et regarde ce rang partout, frère. On rigole ou quoi? 2-7 Z2 Hero, mon frère. Bisso, c'est comment? Sérieusement, franchement, ouais. Écoute, il y a le choix. Voilà, c'est ça. Il y a énormément de choix. Donc je pense que tout à chacun pourra trouver son bonheur. Il y a différentes marques, il y a New Balance, il y a Adidas, il y a Nike, il y a Puma. Donc je pense que ouais, c'est une bonne adresse pour trouver sa paire, quel que soit l'événement. Si tu veux faire du sport, si tu veux faire du lifestyle, si tu veux faire le beau, voilà, c'est ici. Je vais essayer d'attraper 2-3 ensemble. Nice. Ah, c'est un Snipes. Il est lourd. Je suis pas trop dans les vêtements où il y a des marques dessus, tu vois. Mais s'il y a un jean qui match un peu, ça fera un ensemble. Niveau choix de paire, ça va, c'est propre. Après, ça reste des paires classiques. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas des paires exclusifs, mais c'est cool.
Et niveau ça, bro, là-haut, c'est lourd. Bro, il y a des vrais balles. Ça, c'est d'art. Y a des et j'aime. Ça fait vraiment. On dirait presque que c'est du vintage, frère. On dirait que tu vas dans un truc. C'est lourd de ouf. J'espère que quand ils vont venir en France, ce sera aussi d'art. Ouais, mais gros. Je pense, hein, mais. C'est cool. Ça m'étonnerait pas. Ça peut être un bon concurrent au footlocker, courir, tout ça. Ouais. C'est comme ça que ça se passe chez Snipes. Hey, hey, hey. Snipes, gang, 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 gang. Hey, hey. Hey, puis ouais, mon frère, puis ouais, mon frère. Puis ouais, mon frère. Hey, 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 hey. Myriam, mon frère. Snipes knows, hein. France, you gonna know. Tu vas savoir, France. Yes. Première personne, premier participant pour le shopping. Que small. Qu'est-ce que tu vas prendre, mon frère? Je vais prendre une petite banane, parce que les gens, ils ont beaucoup de bananes. Ça donne des bananes un peu partout. Mais il y a des membres de l'équipe qui n'ont pas de bananes. Je prends une banane Snipes, tu vois, pour leur donner un peu de force. En plus, la banane est cool, Camo 98, ça me parle, c'est une année qui est cool. Je pense que je vais prendre une paire. En gros, j'ai une NMD à la baraque, mais elle est un peu niquée. Le boost, il part en couille. Je pense que je vais la remplacer par une autre paire de NMD. Elle est pas vraiment noire, elle est un peu. C'est un peu vert, non? Vert très très foncé. Laquelle? Celle tout en haut. Elle est noire, mon frère. Elle est pas noire. Eh, genre, ma. Ah, c'est un ouf. Elle est pas noire, mon frère. Regarde. C'est gris. Gris. Gris foncé. Je prends encore une paire foncée, quoi. Je prends encore une paire foncée parce que y a des paires qui sont cool. Genre Iniki, j'aime bien. Iniki, j'aime bien, mais si je prends celle-là, Etsy, il va m'insulter parce que je crois qu'il la veut. Et ça me va pas trop, les Iniki, en vrai. Et après, il y a les Vans qui étaient cool, tu vois, mais je sais pas. Il me faut une paire de tous les jours confortable que je puisse porter quand je veux et où je suis bien, tu vois. Les Vans, c'est pas forcément le cas. Donc je pense, ouais, Ultra Boost, c'est cool aussi, mais je trouve ça un peu cher. Même si aujourd'hui c'est cadeau, je trouve quand même ça un peu cher, donc je vais pas prendre. Combien à dépenser là? Là, on a 200 balles, là. 200 balles chacun. Il y a de quoi faire. Mais vas-y, je pense que je vais essayer. Que je m'en t'achète ça, mon négro. Je pense que celui-là, il est cool aussi, mais je pense que celui-là, il est plus genre délire à l'ancienne. Ça, c'est très lourd, gros. Ouf. C'est très lourd, mais je pense que c'est un peu large, tu vois, au niveau taille. Je vois, t'as un survêt qui est grave large. J'aime bien quand c'est pas trop large pour les survêts, parce que, genre, le bas, il te permet pas de. De resserrer. Tu vois. Vas-y, bah, je vais essayer. Vas-y. Je vais essayer ça. Et que ce mot là, il allait se préparer. Il allait mettre toutes les pièces de son shopping, vous allez voir, il est étincelant. Que ce mot, man, est bang. Just looking for a way. La NMD, j'ai essayé, c'était du 42. Il n'y a pas 42,5, il n'y a pas 43. Et comme j'avais déjà pris en 42 et que ça me faisait un petit peu mal au pied à la fin de la journée, j'ai pas envie de faire la deux fois la même erreur, donc je crois que je vais trouver une autre paire. Mais ça, c'est pris d'office. Direct. Gros, bon, je vous ai dit tout à l'heure, la NMD, j'ai pas pris. Et frère, j'ai vu une paire au pied, elle était sur les pieds de Piway, tu vois, je l'avais pas vu. 50 balles. Et du coup, j'ai essayé, frère, je vais la prendre. E-book. Franchement, c'est une paire que je voulais depuis un moment en plus. Je m'étais dit que je m'en prendrais une de ces quatre et. Bah, frère, c'est la bonne occasion. Tu vas prendre toi, Bissoman. Bah, écoute, là, j'hésite à moi. Là, je vais essayer une 97. Si ça passe pas, bah, je vais partir sur une classique, Air Force One blanche. Tu vois, quelque chose de classique qui parle à tout le monde. Okay. On va essayer ça, Team Bigfoot. Combien, frère? Ça dépend. Hein. 46, entre 46 et 45, ça dépend de la marque, mais. Team Bigfoot. Ok, Viewmané. Tu veux que je te montre? Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris une petite Air Max One, je te montre ça, hein. Putain, c'est mignon. Elle est lourde, hein. Elle est lourde. Ah, ils ont tué ça, hein. Vrai bail. T'as pas pris une paire de Adidas? Aga, je connais Team Nike pour la vie, hein. Que le swoosh. Ça me plaît bien. Ah ouais? Ah ouais, franchement, le petit orange là avec le petit détail, les étoiles. Franchement, ça peut le faire. Le cuir a l'air sympa. Je vais demander à essayer ça. Bon, les frères, c'est mon tour. Comme le disait Kusmo tout à l'heure, moi, frère, c'est. Là, je suis venu pour Kalkani, frère. Quand j'ai reçu le mail de Snipes, ils nous ont dit: ouais, Camino, on aime bien ce que vous faites, on veut faire un truc avec vous. On était chaud parce qu'on savait qu'il faisait du Kalkani, mon frère. Mon frère, ça va se passer ici. Déjà, je porte 90% que des ensembles. Et je porte pas souvent des marques avec des logos, tu vois. Mais là, gros,
C'est comme quand on parle de sneakers, c'est qu'on parle de ouais, les paires historiques, les trucs de nos enfants. Ça, c'est ça. La nostalgie, mon frère. Là, ça me dérange pas de porter grave des logos. En fait, moi, je me souviens du sweat Karl Kanye où il y avait le logo Karl Kanye en grand ici, tu vois. D'ailleurs, on dit Karl Kanye, je crois. Il y avait en grand et je sais pas s'il y avait les deux. Mais en tout cas, c'est grave des collections héritage, Blarney. C'est vrai de vrai. Je fais un suspense pour rien. Parce que j'avais dit dans la voiture. Moi, je suis venu pour chercher la salopette Karl Kanye, mon frère. Je suis venu pour chercher la salopette. Celle-ci, là, elle est en noir. Moi, je l'avais en bleu denim. Je l'avais en bleu jean. Je vais prendre ça, ça c'est sûr, mon frère. Ça c'est sûr. Je vais prendre ça. De base, je voulais prendre une paire de baskets, tu vois. Ouais. Là, j'hésite, mon frère. J'ai envie de prendre que des sapes, tu vois. Parce qu'en fait, Snipes, c'est un bon shop. C'est un bon shop parce que, genre, ils font des trucs de sapes, des collections capsules avec des rappeurs. Ça, c'est stylé, tu vois. Ils avaient fait Rick Ross, ils ont fait Bichon, ils ont fait Jenna Aiko, Macklemore, tu vois. Ouais, Macklemore, c'est en ce moment. Macklemore, c'est pas mon rappeur préféré, tu vois. Après, c'est pas dégueu les vêtements qu'ils ont fait avec. Oh, c'est ça. En gros, viens voir. Tu vois, quand t'as des collections capsules avec des marques de vêtements, avec les shops, c'est pas toujours d'art. Là, mon gars, ça, mon frère. Ça fait partie de la collection capsule. Ça, gros, tu le portes comme si c'est une marque normale. Tu vois? C'est streetwear et ça fait. C'est streetwear. Je trouve que le coloris, il fait genre classe. Il fait classique. Genre polo. Parce que les couleurs, elles sont pâles et tout, tu vois? Ouais. C'est archi lourd. Et du coup, je pourrais prendre un truc comme ça. Franchement, ça, j'aime bien. J'aime bien la coupe du bas et c'est Snipes aussi, tu vois? En gros, c'est des sables que tu pourrais porter. Et moi, ça, pour moi, ça fait la diff. C'est pas un t-shirt, tu rentres dans une boutique, il y a le nom de la boutique et ça s'arrête là, tu vois. Ouais, là, c'est des pièces, des vraies pièces, tu vois. Et même là, tu vois, ça, c'est un hoodie simple. Et tu vois, t'as les bords côtes. Tu te rappelles dans le LSDLV de Romain Lévy qu'on a pas sorti, ouais. Il nous parlait, il nous disait, ouais, moi, je kiffais les Sweet Supreme. Parce qu'il y avait des bords côtes sur le côté, c'est ça le bord côte. En gros, quand t'es un peu gros, que tu manges du fromage comme nous, bah les sweets, des fois, c'est un peu serré. Ce qui fait, t'as une bande de tissu en plus sur le côté, ce qui fait, ça affine le sweet et ça fait un bon délire, tu vois. Et là, il y a ça. Ça pourrait être un sweat basique avec une impression, mais il y a du taf. Moi, j'aime bien. Je vais prendre la salopette, mon frère. Ça, c'est sûr. Je sais pas, frère, si je vais prendre ou pas une paire. Bon, faut préciser un truc aussi. C'est genre, moi, je trouve ça. Je trouve que, genre, Kanye, c'est archi lourd. Mais gros, c'est pas cher. C'est pas cher, gros. C'est pas cher, mais genre, la salopette, 80 balles. Les polos, ça, 50 balles, ça, 80 balles. Gros, tu regardes les trucs comme ça, North Face ou gros, d'autres. Ou Aliensen, gros. Ou Aliensen, ouais. De ouf. Gros, c'est direct des 100, 150 euros. Là, franchement, c'est abordable de ouf. Ça fait grave plaisir. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de prendre que des sapes. Parce que gros, on balance des bons plans tous les jours. Quand il y a des paires, franchement, on les a toujours à des bons prix, tu vois. Ouais. Là, est-ce que j'ai envie d'acheter une paire ou est-ce que j'ai envie d'acheter des sapes? Et moi, franchement, c'est prévu pour quand Snipes en France? Snipes en France, c'est prévu pour cet été. T'as pris lequel, toi, là-dedans? Moi j'ai pris le polo bleu et jaune. Il est tard, je vais prendre ça. Du coup polo. Polo Karl Kanye. Gros polo Karl Kanye, c'est valeur sûre. Ouais, moi ça me parle de ouf à l'ancienne. Ça me parle plus que genre les trucs Thomas. J'ai plus l'impression d'avoir vu des polos à l'ancienne. Moi aussi, moi c'est polo sweet et baggy. Ouais. Tu vois. Baggy, salopette, délire, ouais, de ouf. De ouf. Je vais prendre ça. Eh hey, gros, en fait, j'hésite de ouf. Il y a un truc qui est dommage. Il n'y a pas de complet. Il n'y a pas d'ensemble, mais gros. Moi, je voulais un ensemble. Mais après, une salopette, c'est un peu un ensemble. Tu un vois peu un ensemble. En gros, tu vois la veste en jean là-bas, la snipe, ce que ouais. Je vous ai montré tout à l'heure. Moi, j'ai essayé de trouver un jean qui va un peu avec, tu vois, ouais. Pour faire un ensemble. Et il n'y avait pas. Quelle marque? C'est Snipes? Non, c'est Flatbush. Flatbush? Ouais, Flatbush. Ok, je connais pas. Non plus. Peut-être tester ça. J'ai testé ça. J'ai pris ça déjà ou quoi? J'avais pas pris. Tu l'as posé là. Je vais prendre ça et ça. Et je prends la salopette. Et là, Nick. Je vais tester. Franchement, j'ai pas envie d'acheter des paires. Je crois que je vais acheter que des vêtements. Bah oui, c'est ça. Bah t'as une madresse déjà au pied, je pense que tu vois. Frère, c'est là. Ouais, ça va bien. Je l'avais vu tout à l'heure. Elle est douce, hein? C'est là. Ouais, moi j'ai essayé la. C'est 69 balles. Et je vais dire un truc qu'on pourra pas mettre dans la vidéo, mais. Ah, on s'en bat les couilles, hey. Les sapes chez Snipes, elles sont meilleures, c'est vrai. Non, il y a du Karl Kanye là. Gros, c'est ça. Ça veut dire que tu peux venir, tu choisis une paire, tu peux te faire ta tenue direct dans bah le magasin. Bah oui, gros. Et franchement, en France, j'ai l'impression qu'on a plus de shop où t'as et des paires et des sapes. Il en reste 2-3. Mais t'as pas beaucoup de trucs. Ouais, y a pas beaucoup. De toute façon, on le voit quand on fait des émissions shopping, on galère pour trouver des shops où il y a les deux, tu vois. Ouais, ça va me faire un manteau de plus dans ma collection. Je vais prendre ça. Valeur sûre, lourd.
En plus, ça va. Au limite, tu pourrais le garder sur Watt là. Ah, de ouf. Allez, d'où ça? Vous en pensez quoi, Méné? Tu pensais d'où? Ah, je kiffe leur délire de genre col blanc et. Genre polo, col blanc. Je kiffe le délire, gros, c'est lourd. C'est archi lourd. Y'a pas gros. Trop ça, d'habitude, c'est souvent uni du haut en bas, enfin le col plus le truc. Et ça, je trouve, ça fait petit. Ça fait c'est comme les semelles blanches sur une paire noire. Super. Tu vois. Et gros, ça te va archi bien les polos. Car maintenant, c'est polo. Polo, ah ouais. Polo à fond, je vais acheter que ça. Ah, je vais prendre ça. Y'en a plus, hein. C'est quelle taille? C'est elle. Je savais qu'il était pas kiffé. Camino te fort, hein? Another Dutch near, is it? Best young, super easy. Au revoir, hein? Je prends le manteau, je vais prendre ça. Je vais le prendre. Ah, t'as raison. En fait, ça fait deux ronds, et là, ça fait encore un rond. Et ma tête, elle est ronde. Je sais plus. En fait, je vais les prendre. De toute façon, c'est cadeau, là. S'il reste 15 balles, gros, je vais. Joya! Joya, mon gars, tu vois. Tu traites toujours les étiquettes. Toujours. Toujours, mon frère. Pourquoi? Moi, j'ai dit, moi, je porte. Eh, pourquoi? Eh, je peux y arriver pas, parce que. Eh, j'ai entendu crier, pas. Ça, c'est. Ah, ça va pas, Dilu, ça glisse, mon frère. Non, dis-moi comment. On est là, Mimi Gay. Ah, vous êtes en train de me chauffer là. Eh, mais pourquoi est-ce que je peux le faire? Il a jamais vu le Farrell aussi bien porté, je te le dis, mon frère. Je te le dis. Une salope, mais je vais la porter une fois, mon frère. Mais non, frère. Je vais la porter. Non, on va. Regarde ce style. À vous de me le dire. À vous de me le dire. J'en mets la carcagne en rentrant. Wesh, les gars. Laissez-nous gérer la com. Carcagne, mon frère. Comment ça s'appelle le c'est de ouf, pas hein. Eh, vous êtes même. J'ai l'impression d'être en 2000 avec Kusmo au collège, tu vois ce que je veux dire? Marcher dans les couloirs du collège avec Kusmo. Kusmo qui gérait toutes les meufs et il voulait pas me calculer. Arrête, il disait, hey, Kusmo, je peux traîner avec toi, je peux venir à la soirée. Il me disait, non, ta gueule, Sean. Là, c'est bon, tu rentres. Hein? Là, c'est bon, tu rentres. On va tous essayer, frère. Aïe. Ouh, XL. XL, c'est bon. J'ai pas fait de roulage, hein. C'est parfait. C'est parfait. Avec la merde de R, c'est une boucherie. Allez, Miguel. Yeah. Je dis que c'est la salopette. Ça va, ça passe. Hein. Mais oui, ça passe, mon frère. Qu'est-ce que je sais pas ce que tu fais, salopette, tu oublies. Chicano. Mon frère. Tu m'entends la clip, wesh. Il est excité, mon frère. C'est chaud, là. Il a la colonne, frère. Non, hey. 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 Hey, hey. Bon bah c'est validé, hein. C'est mon tour Méné Shopping V. Franchement pour le moment je suis chaud sur les chaussettes. J'ai pas encore bien regardé les paires qu'il y avait. J'ai dit à Français j'allais prendre du boost. Là ils ont changé les rayons. Vas-y viens on va voir ce qu'il y a là-bas. Il y a les Nike là. Bon j'ai déjà ma petite paire. Regarde mes pieds, tu vois ce que je veux dire. Aïe, 2-7-0, on arrive. Les Air Maria me parlent bien. Combien? Moi c'est la semelle qui me dérange. 159, c'est-à-dire que si tu prends ça, ton budget il est presque niqué. Faut penser cool, faut penser économie, même si c'est pas ton joueur, tu vois. Ah tu vois par exemple là il y a des petits modèles de Reebok sympa. Tu vois. Semelle gomme même parle de ouf. Dommage elle est pas en noir. En noir j'aurais pris direct. Converse, j'aurais bien pris une 70. D'ailleurs, il y a des semelles 70. Mais il n'y a pas le modèle que je veux. Moi je pense que je vais attendre celles qui vont sortir en camo. Et tu vas attendre la Off-White aussi. Ouais. Ah non, je vais plutôt attendre la Off-White. La Off-White qui est la camo. Il regarde tout à l'heure, je lui dis, je vais prendre ça. Il était, ah ouais, lourd. Non, ça de. Bon, là, pas trop le modèle, mais j'aime bien ça, frère. Ah ouais, la languette. Ouais, ça fait genre à l'ancienne. Ouais, de ouf. Tiens, il y a là. Tu l'aimes bien, toi, celle-là. Vite fait, ça va. Arrête, 200 euros, frère, ça nique ton truc. Non, c'est bon. Oh, Air Force One, 99 euros, ça, c'est lourd.
Ça c'est lourd, il y a un petit peu de classique. Par contre, ça que ce mot. Non, frère. Vas-y, prends là, tes petits pieds dedans là. Il y a du boost. Ah là, il y a des promos. Sol. Oh, gros, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Si la perle est en noir, et là en plus elle a 50 euros. Eh, vous me connaissez, frère, comment j'ai du mal à mettre du joueur qui même pas le mien dans une paire. Là, c'est sûr, je prends. La paire, je vais peut-être me prendre la même que la tienne. Hein. Tu mens. Gros, elle est douce. 50 euros, celle-là, c'est. Mané, gros, prends celle-là en 11. Ah, ouais. Ah gros, donc 50 euros la Reebok, ça c'est sûr je la prends. Et ça me permet de prendre une autre paire. On va partir sur la Air Force, frère. Elle a combien? Wesh, frère, 100 euros. 150 euros, deux paires lourdes. Ouais, c'est parfait, pas, frère. Non, c'est pas... Parce que la blanche, je l'ai plein de fois. La noire, je l'ai pas prise. Je vais prendre ça en 11 aussi. Let's do this. Snipers, mon frère. 50 euros. Donc, du coup, tu pars sur ces deux-là. Wesh. Hey. Gros là j'ai pris deux paires. La Reebok et la Air Force 1. J'ai pris la salopette Carl Canis, salopette gang, on l'a tous pris je pense. Là il me reste un petit peu. Soit je prends des caleçons, vas-y je suis déjà équipé, soit je prends des chaussettes frère. Moi j'aime trop les chaussettes, Esten c'est pas le chinois. Viens on prend des chaussettes. C'est bon frère, j'ai mes trois paires de chaussettes. Est-ce que vous validez frère? En gros, pourquoi j'ai besoin de prendre des chaussettes? Absolument, c'est parce qu'on n'est pas retourné au bureau. C'est Francis et Custom, je dois faire mes affaires, frère. Donc là, je suis en clandestin, ouais, je suis obligé de m'acheter tous les trucs. Bien sûr, tout à l'heure, on va aller chez HF, je vais m'acheter des caleçons, des t-shirts. Et là, il y a les chaussettes. Donc là, le shopping, il est complet, frère. Moi, je suis bien. Bah, les frères, si à chaque fois, il y a une ouverture de magasin, on nous appelle pour faire des 800 euros de shopping, on va répondre présent. Gros, on va avoir des tenues propres, on n'aura plus à acheter des sapes. Donc appelez-nous la MIF, appelez-nous parce que là, Nipes, ils ont mis la barre haute. Eh hey, gros, dis gros, dis une fois bien leur nom pour leur faire plaisir, mon frère. Dis une fois Snipes. Snipes. Mon frère, c'est comment? T'as vu des trucs ou pas? Moi, j'ai vu. Je pense que je vais rester sur des classiques aujourd'hui. Alors, on a un bon petit budget, tu vois, mais... Moi, il y a deux paires qui me font l'œil, gros. C'est la Vans, la Slip On quadrillée, là. Et la D-Rup. La D-Rup, mon frère, elle est sortie à 100 balles. Moi, je veux savoir si c'est une vraie paire, tu vois. S'il y a un confort ou quoi, donc je vais tester les deux. Voilà, j'ai demandé mes deux paires. En plus, celle-là, je la veux depuis très très longtemps, gros. Parce que c'est une paire. Tu peux la porter avec tout, gros. Tu fais un petit tourlet avec un petit Dickies, avec un jean, ce que tu veux, gros, elle passe. Et t'as pas besoin de faire tes lacets. Ça veut dire le matin, t'es pressé, piou, flop. Ah oui, ça, c'est un bon point. Gros, t'es propre de fou. Et du coup, l'autre, c'est laquelle? Et l'autre, c'est la D-Rup. Ok, c'est blanche. C'est celle-ci, mon frère, la D-Rup blanche. Franchement, de base, j'étais pas pour parce que je trouve que c'est trop monochrome, tu vois. Genre blanc-noir. Mais je me dis que dans tous les coloris, celle-ci, genre à porter, elle est... J'avoue que celle-là, elle est cool. Ouais. Celle-ci est cool, tu vois. J'avais pas vu qu'il y avait un détail à l'intérieur, c'est cool. Je sais pas si tu te rappelles de la City Sock. Dans la City Sock, t'as un espèce de truc comme ça, et ils mettaient le code dedans, dans les premières. 100 balles. Ouais. Et il faut absolument que je teste si c'est confort. Tu vois, Mike, il a eu une... Je pense que c'est confort parce qu'il l'a mis au sneaker event, Mike. Et il a eu toute la journée, il m'a dit qu'il avait pas si mal que ça, tu vois. J'ai les deux paires, on va tester la première, la Vans, que je veux depuis très longtemps. Ça c'est classique hein. Gros c'est un classique. Gros c'est cool hein. Ça passe bien avec la tenue noire. De ouf. Ah pas trop. T'en penses quoi toi? Gros je kiffe. Je kiffe gros, c'est une valeur sûre, elle est pas rush. Oui, mais... Gros je l'ai retiré, c'est validé. C'est bon? C'est validé. Quand même une bonne paire niveau qualité, prix confort. Gros, pour moi 100 euros, c'est propre. Après voilà, j'ai peur, je sais pas comment elle... quelle forme elle fait au pied, tu vois. Comment vieux? Oh, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. J'ai l'impression que ça ressemble vachement à la shape du Niniki. Du Niniki, ouais. Un peu entre Niniki et NMD. Combien il bouge. Et t'es bien, non? Genre peut-être derrière. Je sais pas si c'est ma chaussette qui fait ça, mais peut-être derrière c'est un peu loose, tu vois. Ouais. Mais sinon, je vois gros. En fait, le filet, il ramène vraiment ton pied. C'est lourd. Je sais pas. Alors, je vais quand même prendre parce que c'est snipe, tu vois. Je vais quand même prendre. Je suis pas très imprimé, mais vas-y, là, faut marquer le coup. Toi, le truc que tu dis pas, peu importe la pièce de vêtement que tu vas porter, ça va être stylé. Ah, comme t'es beau. Écoutez, papy, mon frère. On m'écoute, frère. On va faire un sondage. Vas-y. Est-ce qu'il est beau? Tu m'as dit que tu voulais prendre peut-être une petite mousse. Ah là gros c'est plus peut-être hein. Ah ça y est. Which one do you like?
Ouais, dans ton délire, ça serait plus la petite. Bah ouais, je pense aussi. On prend des paires, des vêtements. On a pris tous des vêtements, des chaussettes, une montre. Il a pas pris des lunettes. Et en plus, t'as acheté une montre Gucci à 5000 euros. Pourquoi il comprend pas? Vous venez bien? T'as acheté une montre Gucci à 5000 euros et t'es encore en train d'acheter une montre. Bah frère, argent, or, c'est pas pareil, mon frère. Gros, c'est mon délire de tout. Tu vois, ouais. Compte. Oui, oh putain, je restais 100%. Je pense que je vais partir là-dessus. C'est validé, c'est bon. Let's go. Let's go, man. Les frères, bilan du shopping. Et on a fait des vraies bonnes affaires. Je sais pas. Ta vente, ça l'a combien, toi? 65. Ça va? C'est un bon prix, gros. Ça m'aurait 50 balles. Gros, on est grave resté dans notre logique d'acheter des paires cool et pas chères. Car, c'est ça. C'est lourd. On avait 200 balles, on n'a pas tout claqué dans une grosse paire. C'était réglé. C'est Car, Kami. Franchement, des marques à l'ancienne qui sont revenues. Je trouve que c'est une des plus. Enfin, au niveau de nostalgie, c'est une qui me parle le plus, frère. Même si Poupou, c'était grave cool. Genre, j'ai des flashs où je vois des trucs Calcani, tu vois, à l'ancienne. Bon, archi lourd. Les salopettes archi lourd, non. Je pense qu'on est tous satisfaits. Du coup, tu vas être égérie française de la marque. Ah, ça me dérange pas, frère. Ah, il a de ouf. Je porte vos collections au calme, de ouf, avec plaisir. Et je pense que Sean aussi, frère. Frère. Gros, j'ai kiffé. Vous connaissez mon petit côté minimaliste, tout ça, donc. J'ai pris un petit t-shirt. C'est super minimaliste. Ouais, mais gros. Tu vois, au début, tu vois pas ça. Non, j'ai pris la salopette, gros. Je crois que c'est la première salopette que j'achète, gros. J'ai jamais acheté de salopette. Genre, je piquais ceux de mes cousins, mais qui étaient 4 fois trop grandes pour moi, monsieur. Là, c'est la première que j'achète. Toute l'équipe en achète, ça fait plaisir de tout montrer. On va dégainer ça ce soir, gros. Et ma petite paire de Vans. Ça fait longtemps que je la voulais, gros. 65 balles. Je suis gros quand je pensais qu'elle était un peu plus chère. Genre, slip-on. Je la mets au calme, tu vois, le matin quand t'es pressé, clac, c'est la slip-on, ouais. Mais c'est quoi là? C'est Adidas la marque du coup? Non, c'est Vans. Moi j'ai pas dit que je portais que du Adidas, c'est Puma, mon frère. Et voilà. Fais des remixes, tout le temps. Voilà, frère. Dès que ça retourne sa veste, ça trouve une excuse. Ah, ouais. Moi j'ai dit que je portais toutes les marques sauf Nike. Moi c'est ce que j'ai dit. Tu portes des couleurs. Tu vois ce qui a été racheté par Nike, par affiliation. Ouais, non. Ouais, non, tu peux pas. Snipe, et merci. Hein. Snipe Zer. Gang. Ah, c'était doux, mon frère. Nipes, frère. Ils ont bien mis. Et venez à la maison, les gars. Venez à la maison, ça va être le bordel. On vous accueille comme prévu. Et même Mike est venu avec nous. Ton là, c'est Mike. Ah, toujours les. Oh, c'était le feu. Nous, on les attend en France, mon frère. Le shop est cool, hein. De ouf. Un vrai bilan positif. Franchement, ça m'a pris beaucoup de force, le shop. Ah, t'as envie de manger? Ouais. Ah, moi aussi, on va grailler. En tout cas, un shop avec et des baskets et des sapes. Assortis les unes les autres. Gros, moi, ça marche. Et gros, moi, je veux et plus de ça. Après, on a fait genre, il y en a en France. Il y avait Black Rainbow, Rest in Peace. Clemzer, mon nez. Il y en a, mais pas sur les grosses chaînes. Ouais, de ouf. Ouais, c'est ça. En mode, s'il y a une sortie d'Air Max dans un shop, c'est pas tous les shops qui vont proposer des vêtements qui vont avec. Bon, les frères, on va grailler. Let's go. Back to those who break their neck to keep their hopes in check, as though they sweat a brother majorly. And I don't know why your girl keeps paging me to tell me that she needs me. Cries when she leaves me, and every time she sees me, she squeeze me. Lady, take it easy. Hate to sound sleazy, but tease me. I don't want it if it's that easy. Hey yo, bust it. Baby, got a problem saying bye bye. Just another hazard of a fly guy. Your ass wide don't matter. My pockets got fatter. Now everybody's looking for the ladder. And ain't no need. Wanna see me, gotta keep a number, baby, when you need it. And I'll be there in a jiffy. Don't be picky, just be happy with this quickie. And when you learn, you can't time it down, baby, dog. Check it out, I get around. What you mean you don't know? Check it out, I get around. The underground just don't stop for hoes. I get around, still dealing with the underground clown. The round ain't go, I get around. Hey yo, shot. Let them hoes know. Now you can tell from my everyday fits, I ain't rich, so cease and desist with them tricks. I'm just another black man caught up in the mix, trying to make a dollar out of 15 cents. Just cause I'm a freak don't mean that we can hit the sheets. Baby, I can see that you don't recognize me. I'm Shock G, the one who put the satin on your panties. Never knew a hooker that could share me. I guess. What's up, love? How you doing? All right. Well, I've been hanging, singing, trying to do my thing. Oh yeah.